Salut les gens, c'est Stan, quatrième épisode avec l'Éthiopie. Alors, 14 ans joués en 3 épisodes, on est dans les délais. Au niveau des conquêtes, eh ben, écoutez, c'est moyen, mais encore une fois, on assume les conséquences de mon choix d'aller prendre Killua très rapidement. Je le regrette pas parce que regardez, Mono Motapa est en train de devenir monstrueux. Ça grossit dans tous les sens là-bas, et il est temps que de notre côté, on grossisse pour aller mettre quelques baffes. Hein. D'ailleurs, on a grossi, hein, voyez, on a chopé toc, 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 trois petites provinces discretos, puis trois petites provinces discretos là aussi. On grignote en fait, voilà, on progresse doucement en grignotant. Waouh, waouh, waouh. Il y a un recalcul ou quoi là qui vient de se passer? Non, le soutien à la liberté a dû disparaître. Non, il est donné, alors que je ne comprends pas. Et j'ai un dérouté le commerce. Il va y avoir un recalcul, je pense. Il va y avoir un recalcul. Voilà, allez, allons voir ça. Non. Adia a enlevé des troupes. Ça, Adia, il avait 3000, il a 1000, mais quand même. Non, c'est mes troupes qui ont fait basculer ça. J'ai fait beaucoup de troupes, là. Hein. J'ai beaucoup de troupes. Actuellement, je suis à 17 sur 21, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc 17 sur 21, ça passe très bien. Normalement, je dois faire une déclaration ici de guerre sur lui, là, bientôt. Il est allié à Medibari. Medibari, lui, est allié à Alodi et Kaffa. Donc, on va l'attaquer quand même et on prendra sûrement la côte de Medibari, là, pouf pouf, comme ça. Ou on verra ce qu'on en fait. On le prendra aussi. On verra selon l'expansion agressive que ça crée maintenant, l'expansion agressive. On n'a plus besoin de minimiser. On peut juste calculer. C'est-à-dire qu'on regarde ce que ça donne quand on prend et on va bah, grossir le plus possible comme on le peut. Normalement, notre or devrait commencer à remonter bientôt parce qu'on va annexer lui sous peu et aller choper lui bah, sous peu parce que c'est notre job. Hein. Allez, on remonte un petit peu avec le Mamelouk et après on va faire le revendique ici. Histoire de se faire du bien, on va mettre tout le monde à l'abri là-bas. Chacun rentre chez soi. On va regarder si ça se stabilise pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai fait de bien, mais alors d'un coup ça va beaucoup mieux. Je peux pas vous le dire. Peut-être le niveau de développement. Non. Mariage. Non. Vous avez dû me voir dans les épisodes précédents passer la souris là-dessus et vous me direz. Mais je pense sincèrement que c'est les troupes. Ouais, là, on est à 7 sur 17. On est au total à 13 sur 17. Donc, je suis au-dessus d'eux. Le 91%, ouais. Je pense que c'est ça, en fait. Encore du prestige. C'est combien de temps? 5 ans d'agitation. Je suis désolé, mais non. Je continue à être en prestige négatif. Depuis que j'ai viré mon héritier. Mais en même temps, notre héritier à faible légitimité est pas mal. Sachant que la faible légitimité peut déclencher un incident. Je crois que c'est la. Je ne sais plus c'est lequel. C'est pas celui-là en tout cas. Bon alors, on est bien là avec nos 16 000 hommes. Je crois qu'on avait 17. On remonte un petit peu là. Oh, on remonte quand même pas de beaucoup. Hein. Waouh. On remonte pas de beaucoup, mais on va récupérer l'or. Hein. Et du coup, lui, il va devenir fidèle, il va se mettre à nous payer un petit peu, je pense. Ouais, tout ça, c'est des bonnes choses, hein. Voilà, le Mamelouk qu'on fait revenir. Et puis, on va le balancer là. Et puis, on va aller faire une guerre encore, hein. Je suis désolé. Wow, allez, allez, à moi l'or. Ça y est. Ah, il était temps. Ah, bah, c'est bien ça. Très bien, très bien. Où est-ce qu'on en est maintenant de ça, là? On va peut-être pouvoir en payer un, non? Toujours pas. Ici. On a commencé. Là, on va continuer. Ici, là, on va l'améliorer, bien sûr.
Dès qu'on pourra, on va lancer l'annexion. Sauf ce blanc, au début, elle va se faire lentement. Quoique on était à 5, donc je pense qu'on va être à 2. Alors, est-ce qu'on arrive à récupérer un petit peu de fric ici? Pas sûr, parce que là maintenant, on est à 20 militaires. On est à 21 sur 22. C'est bien quand même. Hein. C'est bien quand même, ça doit calmer l'autre là. Ben voilà, ouais, ça l'a calmé. Même Killua, hein. Même Killua, il va être calmé bientôt, hein, parce qu'on peut encore monter pas mal nos relations avec lui. Hein. Pas tant que ça, 40. Voilà. Bon, ça se passe bien, ça se passe très bien. Je suis très content. Allez. Et on continue notre petit travail de missionnariat parce que, ben, faut pas lâcher l'affaire. Le Mamelouk qui fait rien pour l'instant. Et donc, Yémen, t'es allié à qui finalement? À Duran et Warzangli. Peut-être pas fait le meilleur choix de ta vie, hein. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est bientôt, est-ce qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on pourra faire des bateaux en fait? Moi, j'ai envie de bateaux. Ah, déjà l'or là. Commençons par l'or. Alors. 1. 2. 3. 4. Très bien. Les 80 sont transformés en 1,34. Voilà, ça nous change tout. Ça nous change tout. Surtout qu'on va aller chercher l'autre là bientôt. Autant dire que ça va être méchant. Alors toi, tu vas aller là, puis on va diviser par deux. Hop là. On groupe, on divise. Le premier ici, le deuxième là. Et on va tenter le petit coup du stack wipe, surtout sur lui là, qui est en train de s'entraîner. Je le sens bien lui. Mais je le sens tellement bien. Allez, on retourne perdre un petit peu d'argent. On a quand même un chouïa de réserve, ça fait plaisir. On va pouvoir arrêter de gaspiller la technique que. Bon, vous avez vu au début, j'ai utilisé deux fois la technique où on fait. J'ai gaspillé 500 points militaires pour avoir plus de réserves. C'est un choix que je fais au début de la partie. Très souvent, quand on joue des petits pays comme ça, on est relativement en manque de réserves et on est complètement bloqué sans réserve. Donc, bah, il faut jouer prudemment avec ses réserves. Mais en même temps, il ne faut pas non plus, il faut pas non plus se retrouver complètement bloqué. Donc. J'ai un peu oublié de vous baisser votre bazar là. Va falloir finir. Je peux peut-être le faire tout de suite. Voilà. Et quant à toi. Voilà. On va faire baisser des trucs comme ça là. Tout sauf les fanatiques, c'est parfait. Et attention, on est parti. Et voilà, c'est à nouveau la guerre. La guerre qui nous frappe malheureusement. Qu'est-ce que t'as ici, toi? Toi, t'as 3, 7, 11. 11 avec de l'or, donc ça sera CAFA, bien entendu. Hein. CAFA. Et bien entendu, et ben go. Là maintenant. Allez, coucou, c'est papa. Coucou, c'est papa. Un stack wipe. Et c'était le plus dur des deux. Ah non, me dis pas que je peux pas passer. Je peux passer. Il a pas maintenu. Il a pas maintenu. Il a maintenu. Ah mais c'est pas une vraie forteresse, c'est juste une capitale. C'est beau la vie. Allez. Oh, c'est pas wipé. On y va.
pas démoralisé pour autant. Ouais. Ça c'est qui? Ça c'est Midi Barry. On est d'accord qu'on a entraîné personne dedans, hein. Parfait. Parfait, parfait. Ok, on a wipé tout là. Donc, on va mettre ça là-bas. Mettre ces deux-là là-bas. Ici, on va laisser comme ça. Mais surtout, on va faire un truc assez amusant en temps de guerre, c'est que je vais remettre ma maintenance à 0. Et mes forteresses à 0. Bah oui, c'est la vie. Alors là, normalement, il est en train de faire quoi, lui? Des lanciers africains. Pas grave, regardez. Regardez-moi tout ce qui arrive là. Adia, toutes les troupes qu'il envoie. Allez, ici, on va enlever tout ça. Il va falloir réfléchir à la paix qu'on fait, bien sûr. Mais pour une fois, on va pouvoir faire une paix où on prend quelque chose chez l'adversaire. Enfin, chez le co-belligérant, pardon. Ah, la trêve avec le Yémen a expiré. Bah écoutez, moi je vais faire un petit réseau. Et je vais améliorer à nouveau un petit coup avec les Mamelouks. Et j'aimerais bien demander à l'autre de venir ici, tiens d'ailleurs. Adia. C'est bien qu'il vienne faire le siège ici, comme ça moi je peux aller me reposer. Ok. Bon, le même look. Là, on va rentrer, se mettre là-bas. Parce que ça sert à rien de piller, ça c'est chez nous. Le missionnaire, bravo. Là, pour le coup, je vais pouvoir commencer à envoyer un emprunt. Et on gagne de l'argent, hein. Ça y est, on gagne de l'argent. Pour de bon, pour de vrai. Et on continue nos missionnaires. Non, pas toi, sûrement pas. Vous ne voyez pas la tête. C'est des fanatiques sunnites, ils sont qu'à 30%, donc on continue avec les sunnites. Les nobles veulent des trucs. Ouais, bah les réformes, on a tout le temps de les passer, hein. Il n'y a pas urgence. On a repoussé un prêt, on va payer de l'inflation. Ça va nous coûter du... Voilà. On va payer un petit coup, hein. Allez, on a deux forts à prendre. Alors, on va faire une paix d'abord globale pour voir où je prends tout. Tout, tout. Bon, on prend pas tout complètement. Mais alors, qui nous aime pas? Tout le monde s'en fout. On peut tout prendre si on veut. M'arrangerait de prendre ça. Parce que c'est... Ouais, bah c'est des coptes, c'est pour ça. Bah oui, on va tout prendre. Là. Tout le monde en a rien à faire, quoi. Bah, Mehdi Bari, je suis désolé, mais... Ah, tu veux pas. Mais t'as le temps d'y réfléchir. Sauf à là, Adal Mombasa. Et l'autre... Même si ça fait plus 100, on s'en fiche. Ouais, du coup, quand on prend tout, on va arrêter de piller là. Toi, il faut que tu montes au corps. On se calme, on se calme. Est-ce que je gagne bien de l'argent là? 2,48, c'est pas tant que ça, hein. L'autre il est venu. Pourquoi il est pas venu me soutenir, lui? Il est plus fidèle, ça y est. Ouah, 49% à Dia, mais pourquoi? Est-ce que t'es toujours soutenu par Melindé? C'est fou qu'Iloua va être plus fidèle que toi. Un truc complètement fou. Ça c'est bien, oui.
Qu'est-ce que je vais faire, toi? Peut-être te faire payer les QH. Maintenant, parce que quand on l'arrête, ça, ils aiment pas du tout. Bon, allons-y, le premier. Mehdi Bari, tu me donnes tout. Merci. Le deuxième. Alors, Adal, Sofala, Mompassa, Alodi, Kafa. Soyons d'accord, Kafa n'existe plus. Hein. Voilà. Nouveau rival. Mamelouk. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas plaire, ça. Aïe, 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 aïe. Oh là là là. Là, je peux t'apaiser un petit coup parce que j'étais monté en positif. Et ce petit coup va probablement me suffire pour t'annexer. Alors, allons-y. On va se préparer à l'assaut contre le Yémen ce coup-ci. Mais on va quand même aller jeter un petit coup d'œil là. Hein. Non, notre expansion agressive va très bien. Est-ce que quelqu'un veut s'allier avec nous? Alors, tout ça veut bien s'allier avec nous, tout ça aussi. Et Mogadiscio. Je peux pas m'allier avec toi, Lodi. Vraiment pas, quoi. Est-ce que t'as des alliés d'ailleurs, toi? T'as la Macquarie. Ça va, je vais m'allier avec le Dongola, je pense. C'est lequel qui est sunnite là? C'est lui là. M'allier avec lui. Ah bah tu veux pas? Et lui. Lui, il a l'air de bien m'aimer, hein. Puis il a pas d'amis. Ça va être très bien ça. Et puis tu sais quoi toi aussi? Maintenant tu veux plus. Accroître nos revenus. Allez. Là ouais, on va commencer à t'annexer toi. Le 20. Voilà, hop. 96, ça devrait aller vite, mais on fait que 0 par mois. À cause de ma réputation diplomatique, mais qui va augmenter quand j'aurai fini mes annexions. Car mes annexions me baissent ma réputation diplomatique, vous voyez. Je suis à moins 0,80, donc ça va augmenter. Pour l'instant, on ne lance pas ceci dit, hein, on est d'accord, c'est dommage. Allez, on n'a plus besoin de le maintenir là. On va envoyer celui-ci à Kilwa pour pas changer. Et est-ce qu'il a fait des revendiques comme je lui ai demandé? Probablement pas parce qu'il m'aimait pas. Si. Il en a fait à côté. Donc je peux attaquer ici si je veux, j'imagine. Voilà, ici en tout cas, on va faire la petite revendication à Mouka. Mouka, c'est une énorme province productrice. Vous voyez, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Il faut donc aller la chercher dès qu'on peut. Mais en attendant, on pourrait attaquer Mombasa. Qui serait défendu par Sofala. Ça me paraît mais tellement une bonne idée. Eh ben c'est parti.
pas de raison de traîner, hein. On n'est pas là pour traîner. Et par contre, Mombasa et Sofala, c'est de la sunnite. Alors, il va falloir se méfier après derrière. Hein. Mais il est temps de grossir là. Et puis, il est temps de prendre des trucs pour nous ici. Y a pas, c'est pas forcément Kilwa que je vais faire grossir. Hein. Moi, je vais prendre des trucs ici. Ça, je vais peut-être les donner à Kilwa, on va voir. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait que 20 minutes, donc on va avoir le temps d'avancer dans notre guerre. Kilwa, je vais bientôt pouvoir l'apaiser à l'occasion. À l'occasion, quand. De toute façon, que soyons clairs, ils n'ont pas de troupes. Non, ils n'ont rien du tout. Hein. Donc voilà. Hein. Ça, c'est mon allié, je peux passer. On va envoyer nos troupes. Hein. On va se réunir ici. Adawawo. Dawawo. Donc on augmente là. Très bien. On va faire une revendication à la Lodi. Constituer un réseau d'espionnage. Alors, la Lodi, c'est important pour nous parce que. Copte. On a un endroit là. Je sais pas si c'est en Alodi, ceci dit. C'est ici. Alors, contrôlé par Makuri. Ah, c'est Makuri qu'il faut qu'on aille grignoter. Mais c'est l'allié d'Alodi, hein, donc faudra qu'on aille chercher ça et qu'on le convertisse ensuite. Bon, bah voilà, ceci dit, on a bien démarré là pour l'instant. Ça y est, le démarrage est en route. Mais on est déjà en 61, il y a déjà 17 ans d'écoulé. Hein, on aura bientôt un tiers du temps que je m'étais donné. Il est temps d'envoyer chercher les mines d'or par là-bas. D'ailleurs, tiens, j'en avais pas une ici. Là, elle produit combien, elle? 3, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Gagner à 92 du coup. Allez hop. Là, y est. Le 1,92 il a baissé hein, quand j'ai augmenté. Ouais, mais l'autonomie joue aussi sur l'or, on était d'accord. C'est pas grave, pas grave, c'est pas grave, on s'en sort bien là. Oups, par contre, comment c'est possible que ce soit comme ça là? Alors je vais baisser mes forteresses. Ah, on prend de l'attrition et tout là. Est-ce qu'il va attaquer Kilwa là? Ce serait tellement bien qu'il attaque. Allez, on y va. Ça m'embête ça. Oh là là, c'est pas assez. C'est pas assez, je perds trop. Il y a 2,08 de trop. Trêve avec Mara. C'est où Mara? C'est là-bas. Ah bah il a carrément disparu à Drabouta. Aden et Adal. Très bien, très bien. Il va pas falloir traîner non plus pour aller chercher Sofala parce que. Waouh, t'es déjà là toi? Je croyais que ce serait une guerre facile. Bon, bah on va ramener l'autre. Ils vont bien attaquer Kilwa quand même à un moment ou à un autre. Il va quand même servir à quelque chose. Alors toi, t'es pas censé être sans commandant. Hein. Du tout d'ailleurs.
Ah, bah oui, tu vas reprendre tes terrains. Ok, on va attendre que l'eau s'éloigne un petit peu, on sait jamais. Comment je vais voir ça, moi? Hop là. On va faire ça comme ça. Ça en a mis 3 là. Adan nous a insultés, j'en suis très très... Oh, il l'a pris. Oh, ça c'est moche. C'est pas grave, je peux passer. Courez, pauvre fou. Ok, là-bas on est quand même super méga limite. Ah, il est en train de revenir. Du coup, moi aussi. Non, théâtre anatomique. Ça, je m'en tire. Oh là 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 là. D'innovation. Oh, le siège de Mombasa, c'est tellement bon tout ça, c'est tellement bon, c'est tellement bon. On se calme, on se calme, on se calme. Toi, t'es à 52. Et toi, tu vas où? En Chamba. Je fonce ici, moi. Allez, on va se mettre là. Lui, il va reprendre son siège. Un général qui crève. Alors, qu'est-ce que tu veux céder? Non, le problème, c'est que moi, je voudrais des trucs à chez ta copine d'abord. Alors, qui m'en veut? Sauf là, tu n'existes plus. Melinde, Aldal, Mombasa, Warzangi, Elodie, les mêmes, hein, comme d'habitude. Hein. Sauf là. Voilà, ça sera sauf là d'abord. Désolé, hein. On va continuer. Ah, l'annexion a commencé là, ça y est. Oula, 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 on se calme, j'ai pas besoin d'autant, moi. J'en ai qu'une province que je peux te prendre pour l'instant. Hein. Bah, toi, si tu veux pas t'allier, autant me dire que. Hop. Suivant sur la liste. Hein. Adal, ça presse pas, ça presse pas. Warzagli, ça serait plutôt. En fait, tu me gênes pas, quoi. Ça serait bien lui plutôt. Il dit allié à quoi? Allié au monde entier. On va peut-être s'allier à lui. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Ah, ça, c'est bien ça. Voilà. J'attendais exactement ça, moi. Comme on dit par chez nous. Sérieux, tu vas aller te planquer là? Tu sais que t'as beau avoir des bateaux, quand on possède les deux provinces, ça sert à rien de se planquer, hein. Voilà. Bon. Alors, on va aller poser nos. Oh non! Alors ça, c'est dégueu. Ça, c'est dégueu d'en profiter comme ça. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi? Faut pas me chercher, moi. Faut pas me chercher. Je vais aller prendre la capitale et je vais en faire un vassal.
Comme ça, on sera en guerre l'un contre l'autre. Et comme j'ai toutes mes troupes ici, je vais te défoncer. Sauf que ça fait une demi-heure. Merci d'avoir regardé et à tout de suite pour la suite.